Hello guys. Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur ma chaîne, c'est encore moi Africani Barbie, toujours pour vous servir. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de laisser un petit commentaire si tu as aimé. Aujourd'hui, je vais me suicider devant vous. Et oui, je me suicide devant vous parce que je vais vous montrer comment poser vos fossiles. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, mais je ne l'ai pas caché, je n'ai jamais caché à quelqu'un. J'ai du mal à poser mes fossiles. Mais j'ai reçu ce paquet de fossiles de chez la page Instagram Larry Shop. C'est une page de vente. Je vous mettrai un peu à quoi ça ressemble quelque part là. Et vous allez un petit peu voir. Donc voilà comment se présentent les fossiles. C'est un lot de 5 paires de cils qui vont du moins touffu au plus touffu. Comme c'est bien écrit ici, ce sont des fossiles fluffy, donc assez volumineux. Et voilà, réutilisables plus de 25 fois normalement s'ils sont bien conservés. Donc à l'arrière du paquet, vous avez les instructions. On vous dit un peu comment il faut enlever le fossile de l'étui et qu'il faut le recourber par la suite et ainsi de suite. En tout cas, on va voir ça ensemble. Les fossiles, ils sont super super beaux et j'aime bien le packaging. C'est un peu doré à l'intérieur et tout ça. Donc n'hésitez pas à les commander, c'est pas très cher, hein. C'est n'est qu'à 6 500 francs. Et pour la qualité, c'est juste le top. J'avais déjà porté l'une des paires la dernière fois que j'ai fait ma vidéo là sur la perruque, les 4 styles pour une perruque là. Et j'ai super aimé, c'était léger, on dirait qu'on n'a pas, pas mis quelque chose. So, vous savez comme je disais tout à l'heure que j'ai du mal avec les fossiles. Mais je vais utiliser la technique de Tracy Muds, c'est une youtubeuse gabonaise qui vit au Maroc. Je vous invite à aller regarder aussi ses tutoriels ainsi que ses vlogs. Elle va vous faire un peu découvrir le Maroc depuis votre téléphone si vous voulez. En dehors de sa technique, il y a aussi ma collègue de l'agence de modèles photo Vixen Agency. D'ailleurs, il faut aller vous abonner là-bas. On avait fait un live et on s'était un peu donné nos tutos. Elle m'a un peu dit comment elle fait pour coller ses fossiles facilement. Et elle le fait tellement facilement. Donc, je vais essayer de faire comme elle et comme Tracy. Et on verra si ça marche. Sur les instructions de la boîte, il est dit qu'il faut faire sortir le fossile avec une pince à épiler. Donc, je vais utiliser celle-là. Je vais commencer par celle du bas en remontant vers les plus touffus. Donc je vais enlever. Bon, ça c'est celle que j'avais déjà utilisée, mais je l'ai remise dans l'étui pour qu'elle garde la forme. Donc on enlève et par la suite ils disent qu'il faut faire ce geste là, voilà, pour recourber encore mieux le fossile. Normalement il faut mesurer. Il faut mesurer la taille de votre œil par rapport au fossile. Donc là, je prends maintenant cette pince à épiler. Vous pouvez l'avoir chez Glamour. Je crois que c'est à 3000 francs. J'utilise cette pince à épiler parce que c'est plus facile. Regardez comme elle est. Elle est genre recourbée. Elle prend déjà la forme du fossile. Donc quand vous mettez comme ça le fossile, après, c'est plus facile à poser qu'avec l'autre pince. Donc ensuite je prends mon miroir, je le pose juste en bas du menton, ce qu'elles disent. Où. Moi je fais ça mais je ne sais pas pourquoi c'est pas pareil. Donc je pose mon fossile comme ça. Et je viens le poser juste en haut pour voir la taille. Donc si vous voyez que ça ne tient pas, vous devez couper. Moi ce que je fais, c'est que je prends un fossile que j'ai déjà coupé au préalable, parce que j'en ai plein là, et je mesure juste, ensuite je coupe. J'utilise aujourd'hui la colle de chez INV. Je l'ai aussi eu chez Glamour à Kembo. Je vais mettre
la colle, j'ai changé de colle. Normalement, je cherchais l'UO. Mais le jour où je suis maintenant allée au magasin où on vend l'UO, j'ai oublié d'en prendre. Voilà. Je mets bien la colle. Et dans une vidéo que j'avais suivie, la go disait il faut bien mettre aux extrémités. Voilà. Et au milieu. Mais généralement, en fait, j'aime pas utiliser la colle noire. Parce que quand j'ai fait quand j'ai maquillé mes yeux, après, ça gâche tout. Bon. Pour la pose des faux cils, je vais juste vous montrer l'œil que je réussis toujours. Et l'autre là, on va passer. À chaque fois, je vous montre seulement le résultat des différents faux cils. Donc, normalement, on laisse sécher 60 secondes. Donc, une minute. Et après, soi-disant, c'est bon. En attendant que les faux cils sèchent, je vais mettre mon mascara. Tahiti Barbie, elle dit qu'il faut en mettre beaucoup. Il faut bien mettre le mascara. Comme ça, tu pourras bien mieux voir tes cils. Quand tu vas vouloir, j'ai versé le mascara, mon Dieu. Donc bref, il faut bien mettre le mascara pour que l'on puisse bien voir la différence entre les vrais cils et le faux cils. Donc là, vraiment, j'essaie de bien en mettre. Mais moi, mon problème, en fait, c'est que mes cils sont longs. En fait, je vous donne une petite astuce. Si vous avez de petits cils et que vous voulez les faire pousser, vous avez un étui à mascara ou bien un ancien mascara vide, vous ajoutez l'huile de ricin dedans et chaque jour, vous faites juste comme si vous vous mettiez du mascara et puis ça va pousser. C'est ce que j'ai fait pour faire pousser mes cils. Maintenant qu'ils ont poussé, ils me créent des problèmes parce que j'ai du mal à mettre les faux cils vu qu'ils se recourbent et ils sont longs. Je me suis maquillée expressément pour ça parce que je peux pas mettre des faux cils et ne pas être maquillée, ça ressemble à rien. C'est pas très joli en fait. Enfin pour moi. Donc on va commencer le combat. Et là, ça. Voilà, quand vous sentez que ça commence un peu à coller, c'est à ce moment-là que vous venez appliquer le faux cil. Eh bien, les choses des blancs, oh, nous là, on ne connaît pas ça. Voilà, maintenant moi. Donc, je mets le miroir juste en bas de lui. Ce qui est bien avec ce miroir là, c'est qu'il y a un côté qui est très zoomé et l'autre qui est normal. Donc, je mets le côté zoomé en bas de mon menton pour bien me permettre de bien voir mes vrais cils et comment ça s'appelle, le trait d'eyeliner. J'ai fait un gros trait d'eyeliner hein, pour changer un peu. Donc normalement c'est sur le ras du cil, là où les vrais cils commencent à sortir, là c'est là où on vient poser le faux cil. Donc il faut être attentif, il ne faut pas beaucoup parler, regardez ça. Vous voyez comment j'attrape, il ne faut pas mettre sur le trait, non, sinon ça va enlever la colle. Donc vous le mettez là comme ça. Et ça épouse même la forme. Alors, la première chose à faire est de placer votre faux cil au-dessus de vos vrais cils. Ensuite, de le placer au niveau du milieu de votre œil, juste sur le ras de cils. Et ensuite, on ajuste l'avant et l'arrière. Maintenant, après normalement avoir mis votre faux cil, si on voit la démarcation entre les vrais cils et les faux cils, vous pouvez revenir avec le mascara. Ou au cas contraire, vous prenez votre pince et vous venez bien mélanger les faux cils avec les vrais. Comme je le disais, je mesure la taille de mon faux cil que je vais mettre maintenant avec l'ancien faux cil qui est déjà coupé. Par la suite, il faut également couper les extrémités. Il y a souvent des petits points ou pics, je ne sais pas comment on appelle ça, qui gênent lorsqu'on porte des faux cils si vous ne les coupez pas. A dit que les Gabonais ne savaient pas faire du rock ou du heavy metal. Écoutez-moi un peu l'instrumental qui passe là.
Il s'agit du groupe de rock franco-gabonais Iron Silver. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien de la musique en barre de description, vu que moi j'ai juste utilisé l'instrumental. Donc allez-y écouter et vous me donnerez un peu vos avis. Merci, merci les filles, car grâce à vous, maintenant je suis imbattable à la pause des fossiles. Les gars, vous n'avez pas imaginé ce qui m'est arrivé. Il y a eu une coupure d'électricité pendant que j'étais en train de filmer. Donc j'ai dû attendre que le courant revienne. Bon, heureusement que j'étais déjà à la fin. Donc on va se dire au revoir, à une prochaine fois. J'espère que vous allez faire un tour sur la page Instagram de Larry Shop et vous abonner, parce qu'ils ont plein de produits qui vont arriver juste après le confinement. Donc on espère qu'on va nous ouvrir les frontières d'ici là. Il y a des fonds de teint, des pinceaux à maquillage, des rouges à lèvres. Rien que pour vous plaire, mesdames. Donc on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous les gars. Une chose importante que j'allais oublier, n'oubliez surtout pas de nettoyer vos fossiles après les avoir utilisés. Si vous avez de l'eau micellaire ou du démaquillant, c'est parfait. Vous utilisez soit un coton-tige ou un coton tout rond là, vous imbibez le coton d'eau micellaire ou de démaquillant et vous enlevez les résidus de colle qui sont sur les fossiles. Et aussi, n'oubliez pas de les ranger dans leur étui pour qu'ils gardent la forme. Allez, bye bye.